Bon, tu t'es blessé? Non, c'est vous qui avez mis de l'hémoglobine. Nous. Les maîtres des ténèbres, c'est eux. Il m'a mordu jusqu'au sang. Je crois que je vais défaillir. Je suis là. Je te ferai le bouche à bouche s'il le faut. Laisse-moi. Là, pour le coup, il est toujours présent. Oui, tu vas bien. Bon. On rigole, mais pendant ce temps-là, ça n'avance pas grandement. Hein. Nous avons toujours, donc, pour le moment, passe-partout, deux clés. Pas de quoi pavoiser. Peut-être une troisième, donc, ici. J'ai un peu peur maintenant de le dire, puisque, a priori, ça ne vous porte pas bonheur. Cela dit, j'ai besoin, pour ce qui vous attend, d'un candidat qui a deux jambes, deux yeux et surtout deux bras. Vous avez reconnu, c'est Eric. En effet, c'est bizarre. Marc, tu l'as senti tout de suite. C'est fou, ça. Avec ses indications. Vous avez dit deux bras, je suis... T'en prie, Eric. Bon, vous m'aidez, hein. Attention. Ouais. Allez, Eric. Allez, Cyril. Ou Marc, peut-être. Toi, tu vas devenir porte-voix maintenant. C'est une cellule à prisonniers encore. Je monte dedans. Ça serait vraiment pas... Lâchez-le là. Je prends la clé, faut que t'enlèves les ballots. Alors, je peux vous donner un conseil, parce que comme c'est une cellule à prisonniers, il faut vraiment qu'on mette toutes les chances de notre côté. À savoir qu'il faut retenir le maximum de noms que vous voyez inscrits sur les ballots. Je vous donne le nom des villes qui sont inscrites sur les ballots. En couvert, par la vite. Et il faut également qu'il accélère. Alors, la clé qu'il va récupérer va l'aider à sortir de cette cellule. Balance, elle est tout au fond. Non, que lui ne perd pas de temps à les lire. Lui, il les lit pas, nous on les lit. Vous essayez de les voir. Il est en bas de tes pieds, la clé est en bas de tes pieds en fait. Vas-y, jette. Jette un max, vas-y, dis-lui, jetez tout ce qu'il veut. Plutôt à vous de regarder quels sont les ballots. Il y a quelque chose en bois qui est à tes pieds, elle est là. Voilà, il a accès qu'il ouvre. Alors. Barcelone, dehors. Non, mais qu'est-ce qu'il a écrit sur le papier? Barcelone, on l'avait vu, Barcelone. Alors elle était dans les premières, Barcelone, c'était la troisième. Barcelone. Mais comment je fais maintenant? C'est où? Bah il ouvre. Il y a une petite plaquette. Ouvre-le. Il y a une petite plaquette en bois. C'est bon, ça le temps. On peut ouvrir le nœud et tout? Bah oui, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Londres. Alors on l'a pas eu. Londres. Vas-y. Vite. Il reste pas beaucoup de temps. Vite. Allez, Londres. Oui, tu lui as dit ça, Marc. C'est la prison. Londres, derrière toi. Là. Il ouvre la plaquette. Là, ouvre la plaquette, vite. Dites-lui de se dépêcher. C'est la dernière. Et qu'il la garde, la clé, parce que c'est la même clé qu'il va devoir donner à Pascal. Garde la clé. Les clés, c'est toujours de justesse. Mais là, vraiment, bravo, parce qu'elle est très, très difficile. Bravo, hein. Il est bon. Parle, montre-nous que t'es essoufflé. Vas-y. C'était vraiment pas évident. Ça n'allait jamais se terminer, cette histoire de vie. Moi non plus. On ne pouvait plus. Le tour du monde. Eric, tu donnes la clé passe-partout. Moi, là, je vous propose un vrai cri. Christiane, mettez-vous ensemble, vous êtes heureux. 1, 2, 3. Allez, dans le froid, on est plus fort. Bon, je suis contente, je suis fière là.